Mali, de plus en plus de jeunes cherchent à travailler dans l'industrie cinématographique. Nous avons donc décidé de tourner un reportage sur l'acteur Amadou Nkassogué et sa grande carrière dans le cinéma afin qu'il puisse encourager les jeunes à réaliser leurs rêves. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien? Ça va et vous? Alors, bienvenue. Bien, Monsieur Kassogué, pouvez-vous nous résumer en quelques mots votre parcours au sein du cinéma malien? Je ne dis pas par hasard, mais par la faute des choses. Parce que, tout simplement, j'ai joué dans une pièce de théâtre qui s'appelle Antigone, que l'on représentait. Et puis, il y a un cinéaste burkinabé qui dit, tiens, celui-là, il serait bien pour faire un de mes personnages. C'est le film Sia. Et c'est mon tout premier film. Je ne sais pas que j'ai un talent exceptionnel parce qu'il faut quand même être... On va toujours à l'école des autres. Et je vois les comédiens, je vois les acteurs. Et j'essaie de faire ce que je peux, tant que je peux. Et j'essaie d'être le plus juste possible, le plus naturel possible. Et donc, dans ce parcours qui a quand même été... intéressant. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, les obstacles? Obstacles et difficultés, bien sûr, ça a émaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup mon parcours. Peut-être c'est ça aussi qui a fait que je suis aujourd'hui exigeant, je suis performant. Ce qui est ma passion, c'est l'art. Donc il faut aller dans l'art. Et c'est le dernier choix. Je suis parti dans l'art, j'ai étudié le théâtre et la majeure partie des acteurs d'aujourd'hui que vous voyez sur l'écran, ce sont mes élèves. La plupart des jeunes maliens qui veulent entamer une carrière dans le cinéma ou dans le théâtre, y compris ceux qui ont un diplôme d'art dramatique, ont du mal à justement entamer cette carrière. Qu'en pensez-vous? Et c'est parce que tout simplement, ces jeunes, ils sont avides d'argent et ils veulent avoir tout de suite la fortune. Ce n'est pas comme ça le théâtre. Or, l'art n'a pas de prix, il faut travailler en équipe. C'est comme vous. Les gens pensent que l'art, là, c'est pour faire rire. L'art, c'est pour... Il y a des gens qui vont au cinéma pour s'instruire. Le cinéma malien est sur l'échiquier mondial. Abnégation, courage, créativité, dextérité et ne pas lâcher la comédie et le cinéma, c'est des religions. Merci beaucoup, Monsieur Kassogué, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de notre reportage. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.